Coucou. Alors attendez, on va regarder si le son était bon. Nickel. Bienvenue à tous évidemment YouTube et Twitch évidemment. Pour ce live Festus, on va commencer par prendre cette merde. On va l'occuper et je vais peut-être le donner. Ah bah je viens d'avoir un succès. Ah oui c'est vrai que le Reichland il est là aussi. Bon, dans tous les cas il peut pas venir. C'est grave docteur, hein. Incarner Nurgle et collecter 5000 infections. D'accord, moi je pourrais... Ah mais j'ai beaucoup d'âmes. Est-ce que je fais un prince démon en vrai? Ah bah je peux pas dans tous les cas. Non donc lui ne sera pas un prince démon. C'est officiel, cet homme-là n'est pas digne d'être un prince démon. Faut que je lui donne Uber Strike et compagnie à lui là. Là oui j'ai fait un tour de reformation et là-bas bah, il est en train de tout défoncer. Truc que j'ai à Marienburg en vrai. Il y a le fort aussi. Je sais pas qui a rasé ça. Je vais me donner Karaberg, Uber Strike. Est-ce que je lui donne la Mgarth ou pas? Pas nécessairement. Quoique si. 1, 2, 3, 4, 5. Et combien ça donne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, autant que je lui donne, hein, je crois. Hein. Je vais faire un tour de la formation que je vais lui donner, je pense. Là, je vais me mettre la... On va se mettre la reconstitution. On va se mettre ça. Et ce truc-là. Voilà. On l'avait déjà, mais en fait il n'y a plus grand chose. Hein. Ouais, ça nous faudrait quand même. Faut au moins 3 points. Ouais, vas-y, plus 25%, déjà ça on le prend. J'ai l'impression que j'ai pas 10 000 FPS. Attendez, je vais fermer des trucs. Je crois que c'est le stream en vrai qui. Le retour du stream qui fait bugger. Attendez, j'ai l'impression que j'avais pas 10 000 FPS. Bon, je sais pas. Non, ça a l'air d'aller. Comment le stream? Bon, ça a l'air d'aller. Juste moi qui n'ai pas joué depuis longtemps. Des fois, j'ai l'impression que c'est le retour Twitch qui pose des petits problèmes. Ah oui, Argig, il y a ça. Ah, mais on a plein de fric. C'est vrai, c'est vrai. Ah bah tiens. On a rencontré Monsieur Bellacor. Et Vigo là, Vigo d'agneau. Reichland il n'y a plus grand chose, il lui reste 3, 5 villes. Il lui reste 5 villes et Marienburg 2. Ouais. Mais ça va, il va se refaire tranquillou. Faire l'avant-garde du chaos. Et lui, bah, c'est le mec qui donne de l'XP. Il peut pas devenir un élu, lui d'ailleurs. Ah, si, il pourrait devenir un élu. Dommage que je puisse pas leur faire basculer de l'autre côté. Je vais quand même prendre l'élu de Nurgle, je pense. Et je le mettrai dans notre armée plus tard. D'ailleurs, c'est aussi peut-être que ça peut évoluer. Ouais. Bah, les deux peuvent évoluer, donc ça c'est cool. Ah bah non, lui il lui manque un niveau. Là ça peut pas devenir des élus. Niveau 7, donc ouais, encore un petit peu quand même. Puis eux, bah, les aspirants, très très bien déjà.
Il faut que je donne ça au rat. C'est le frérot. Alors, je vais te donner Uber Strike déjà. Parce que de toute façon, je crois pas que je peux en faire grand chose. Oh, t'as pas grand chose dans ta porte-monnaie. Hein. Donner ça. Je vais te donner. Caroberg. Et il faut que je lui donne Eilart tout à l'heure. Et Midnight en garde. Caroberg. Qu'est-ce qu'il faut que je lui donne d'autre? Nous on garde la tour de crack évidemment, on garde le fort des reins, et on garde Midenheim. Bah elle me garde en fait, faut que je lui donne. Ah il peut me donner beaucoup plus là pour le fort. Bon, on va lui laisser pour se développer. Pas besoin de fric. Ça reforme assez vite, ça va. On va aller sur France, nous, avec Festus. Oh, lui, il va m'emmerder. Hein. On rappelle également que, oui, il y a ce monsieur-là. Hein. Même sur Arcaon. Non. On se rappelle qu'on l'avait vu se pointer avec 5 armées, et puis après, on sait pas trop où il est passé. Les elfes sylvains également font un peu peur dans le coin là. Faut qu'on regarde à ça. Puis faut qu'on attaque Marienburg. Puis peut-être détruire les vampires hein, vu qu'on est dans le coin. Bien évidemment. On va retourner chez... Ah oui, mais c'est vrai que... il y a la corruption vampire. C'est vrai, c'est vrai. Ah oui, bah ça, ça va être fort. Évidemment que ça va être fort. Oui, pour les autres Nurgle, c'est bien. Je m'avais rien à voir. Ouais... Les bâtiments d'amélioration de l'hôtel. Je vais quand même le faire ça. Pour les alliances avec vassalité. Avec, et les vassalités avec Nurgle. Avec les façons de Nurgle pour chaque zone de. Ouais, bon, bah ça. C'est complètement inutile parce qu'on en a pas du tout pour le moment des factions de Nurgle. Bon, et là, je vais pas la reconstruire, je vais y donner. De toute façon, on va juste attaquer Marienbourg. Ouais, bon, s'ils sortent, ça se gagne. Est-ce que je rentre dans la ville en vrai? Ça ira plus vite. Déjà, on va lui donner Eilart. Donc, un Wolder. Eilart. Garde ta thune, frère. Très bien. Elle aura vraiment, c'est le bon travail, hein, ça. Il faut qu'ils prennent ça, eux, puis après, il faudrait qu'ils reprennent Gorsel. Ce serait bien que tu occupes. Que toi, tu attaques. Et que toi, tu occupes aussi. Après, il va falloir s'occuper des vampires, je crois. Toujours lui qui me défend. C'est gentil de sa part. Et on peut avoir la guerre du chaos. Tout de même qu'on en a d'ailleurs. J'en vois pas, non. J'avais dit que ça c'était intéressant parce que oui, il y avait les faveurs générées là, plus 25%. Ce qui rapporte, oui, ça rapporte quand même pas mal. Ça rapporte quand même beaucoup, beaucoup. Alors, je vais améliorer ça.
Ça, j'en ai pas besoin. On va dépenser là-dessus, de toute façon. Améliorer nos défenses. On a 10 élus dedans, remarque. Qui va essayer de prendre ça, je ne sais pas. Puis j'aimerais bien quand même attaquer Arcaon, ouais. Mais bon, il y a des gros clients là, la personne d'Azag et de l'autre connard là. Puis il y a peut-être les nains. Il y a du monde là quand même. Il y a une énorme garnison donc. Peut-être falloir respecter quand même. Ce serait bien qu'ils sortent de ma bague en fait. Je pourrais l'attaquer en vrai. Faut que je vois qu'est-ce qu'il y a comme défense. Mais bon, il y a le port spécial donc ça va rapporter de la thune évidemment. Je sais pas si je peux la garder Marienburg en vrai. Est-ce que le port peut peut-être nous rapporter quand même, faut voir. Après bon bah il y a quand même beaucoup de clients. Pas sympa monsieur Grimlord. Oh bah lui alors la guerre. Voilà. C'était sûr. Bah il se prend tout le monde sur le coin de la gueule hein, du coup. C'était sûr. Fallait que ça arrive de toute façon. Alors ça nous arrange pas nécessairement. En plus c'est lui qui m'attaque donc tous mes alliés ben, ils sont jetés dans la guerre. Ok bon il a réussi là-bas. Du coup bah en vrai faudrait que tu retournes chez toi te défendre en fait. Hein. Là ils arrivent là. Et Carlos aussi là il est. Il y a Vlad. Faudrait que je prenne Marienburg. Oh, je peux la prendre comme ça, je vais pas me casser la tête, ça va reformer assez vite. Oh, le 11 000, je dirais pas non quand même. Hein. Je dirais pas non sur 11 000, de toute façon je vais l'occuper dans tous les cas. Bon, est-ce que je la garde maintenant? Non, pas rentable, c'est pas le port spécial, donc vaut mieux que je le donne aux collègues. Pas rentable. Je vais quand même me mettre une peste sur la tronche. Voilà, ça va reprendre un peu plus vite. Et on va rejoindre Bafestus. Hein. Là, il devrait. Enfin, il faudrait qu'il prenne les deux villes là, mon pote le rat, mais ça devrait le faire. Il faut que je prenne le fort aussi. Faut que je prenne le fort. Là par contre je peux évoluer ça en dans lance du coup. Voilà. Qu'est-ce qu'il a le clan Mulder du coup là? Ah il y a des canons toujours, je peux pas en avoir. Et quand le gauche il a quoi? Rien de spécial. Un peu de géant, ouais. C'est pas tout à fait les mêmes géants d'ailleurs. Les vampires c'était sûr hein, que les deux blocs allaient se rentrer dedans de toute façon. Pour le contrôle de l'empire, faut juste pas qu'il bourre mon rat. Donc je vais être obligé de lui répondre avec Festus, mais je pense que oui mon rat il va débouler là. Peut-être même tous mes potes en fait. S'ils avaient rien à faire, ils vont traverser le territoire, ils vont venir leur casser leur gueule. Hein. Il va me déclarer la guerre aussi lui, ouais. Bon, les gens du Tertre, c'est pas très très grave. Il a qu'une ville, je pense, de toute façon. Ouais, la guerre avec les vampires. Ah, oh, ça devait arriver, hein. Ça devait arriver. Dans tous les cas, ça devait arriver. Ouais. Ah. Mais ça sert à rien frérot, je vais le donner au rat.
Désolé, hein, Azazel, mais non. Je vais le donner au rat, donc. Mets-le ailleurs. Hein. Je vais donner Marie-Hambourg. Ouais, il est quand même fort alors. Hein, hein. Force 17, il est juste derrière nous. Hein. Bon, après, j'ai pris un peu de dégâts, mais. Il est quand même costaud. Bon, le fort, c'est pas grave, au pire, le temps 2. Au contraire, ça m'arrange parce que ben voilà, il va être bloqué. Il va être bloqué par le fort là-bas de l'Empire. C'est pas grave, ça m'arrange. Eh, mais ça, faut peut-être l'évoluer aussi, ça. Attendez, que fait-on là? Et lui aussi. Voilà, elle est finie cette armée. Ah, elle a quand même de la classe cette armée. Hein. Elle a quand même du style là. Attends, c'est remonté tellement vite la thune. Prince démon, ouais. Arcanon et le prince démon, il va quand même falloir y faire gaffe. Hein. Prince démon n'est pas vraiment une menace pour l'instant, mais on va le surveiller ce type hein, quand même. On va le surveiller ce type. Il me fait peur quand même. À venir dans Manorska là. Après les vampires, le problème c'est qu'on a encore l'Empire sous de l'eau, donc ça va être un peu embêtant. Arcanon est costaud quand même aussi, Azazel s'est un peu refait, mais bon. Bon, on a toujours Torox, mais il va rien faire Torox. Ouais, ça nous met dedans quand même avec leur larme. Bon, allez, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. De toute manière, on n'est pas une garde de plus. S'il essaie de passer par là, il va taper sur l'Empire, il va avoir du mal. De toute façon, c'est de la merde ce qu'il a. Et puis Vlad, il a aussi l'Empire sous le dos. En vrai. Ah, Null, c'est une forteresse, si on par contre. Ça nous intéresse. Ça nous intéresse même beaucoup. Tiens, il y en a une à cet endroit là. Oh, par contre, ça c'est fort. Ah non, c'est les chiens. Ah, j'ai cru que c'était les gardes du chaos. J'ai mal lu. Bon bah, Null, il faut qu'on la prenne. Hein, du coup. L'Empire, elle est contre l'Empire. Ouais. Il me semble que le. Bon, Grom aussi, un bâtiment spécial dedans. Pour les pauvres, il me semble qu'il y a la course de char. La course de tank. Il y a le Grand Prix de Grom, il me semble, dedans. Bah, le dernier. Ah ouais, mais c'est vrai qu'il va devenir démoniaque. Ouais. Pas dramatique, faut juste pas qu'il se fasse bourrer. Mais plus d'autorité de Nurgle en vrai, oui. Hein. Donc Null en priorité. Je sais pas si le Bourbien il a pris la bonne décision parce qu'il est en train de revenir. Mon rail, il y a le North aussi qui arrive là, les Sarls. J'aimerais bien qu'il laisse l'Empire au rat, mais ouais, le Reichland il a plus rien. À mon avis, France s'est fait bourrer par Vlad. It would be a
Oh non, 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 non. Ah, ça va. Monsieur Arcaon, nous avons. Ah oui, non, 2000. Bon, d'accord. Mais c'est juste parce que j'ai peur de vous. Oh, j'ai tellement cru qu'il allait me déclarer la guerre là. Moi, ça aurait été le moment parfait pour lui, hein. Sans vous mentir, il me déclare la guerre là. Ça me mettait mal, hein, parce que je peux pas être de deux côtés. Puis il a 5 armées, le monsieur, donc minimum. Si ce n'est plus. Ah non, Vlad s'est peut-être fait bourrer. En même temps, s'il a attaqué toutes les armées de l'Empire, il s'est peut-être pris une Gigamax. Ouais, mais je vais prendre des dégâts là, c'est chiant de traverser cette merde là. C'est bien. C'est bien. Et où mon Sarge là, il était reparti. Il y a toujours les hommes bêtes. Il fait un peu chier à piller en fait. Mais alors, il est pas chez moi, on remarque le piège, je m'en fous. Ouais, il y a l'autre qui vient là. Ah mais j'aimerais bien que tu défendes en fait. Ah putain, il y a Arcaon. Enfin, la faction d'Arcaon. Au secours. J'aimerais bien qu'il vienne pas m'emmerder lui. Dégage. Mon camp de gauche il va pas bouger. Putain, il a. Il s'est quand même bien refait l'autre. La défendre ma forteresse sombre, mais laisse-moi tranquille, toi. Ouais, Arcaon il traverse chez nous dans le plus grand des calmes, y a pas de problème, visiblement. Ah, il veut à mon avis des villes de l'Empire, monsieur Arcaon. Hein. Je vais attaquer Nuln du coup. De toute façon, Arcaon, on va certainement se le faire un moment, je vais pas vous mentir là-dessus. Cet homme est trop dangereux et nous allons évidemment prendre des choses en main. Immunisé contre les effets de contact. Ouais, on va prendre. Hein. Les effets de contact, du coup, c'est quoi? C'est le poison, les trucs comme ça? Genre les armes enflammées, peut-être? Je sais pas trop. Encore une fois, bah, il faut déchiffrer sur ce jeu pour comprendre des fois. Pour comprendre les bonus, parce que là, j'ai aucune idée de ce que c'est, du coup. Il y a lui. Genre, toi, tu viendrais te mettre là, ce serait bien, mais malheureusement, je peux pas te commander. Monsieur Sigvald. Ah, il y a Valkia qui est là-bas. À la forteresse des damnés. Ah, bah Sigvald, il s'est pas fait des copains, je crois. Ah oui, il est en guerre contre Valkia. Oh, Malekith. Y'a qui était en guerre contre Malekith déjà? Le prince démon? Il est où le prince démon? Attendez. Est-ce que Valkia qui est là, Elmung. Ah, Malekith est toujours en vie. Mais bon, bah. Il doit pas être très développé, Malekith, parce que si. Si Valkia est encore en jeu. D'ailleurs, on le voit un peu son territoire. Je pense que là, c'est en rouge. Donc, ouais, Nagarond, il est pas gigantesque. Hein. Il a greffe et une partie des monts de fer, mais ouais. Eh, Valkia, finalement, je pensais que Malekith était un peu trop fort vu que c'était un coin de map. Mais il semble que s'ils arrivent pas à s'éliminer mutuellement, ben ils arrivent pas. Enfin, Malekith arrive pas à se développer assez vite. Après, ça doit dépendre des games, mais je pensais que Malekith aurait été trop fort, vous voyez. Absolutely not. Bon, tu me parles pas comme ça, monsieur Carlo le calamar. Ouais, il a des trucs de cornes, lui, hein. On l'a vu dans son armée. Il a toujours le mec là. Je sais plus le nom de cet agent, je suis désolé. C'est pas le buveur de sang, c'est autre chose. Puis on a beaucoup d'âmes, donc on pourrait avoir un prince démon. Donc faudrait faire une autre armée.
Est-ce qu'on fait du Nurgle aussi? Bah, en vrai, certainement. Un démon de Nurgle. Pilote, on va le laisser en sorcier. Ah, ça c'est pas cool, monsieur. Ah, du coup, attendez, qu'est-ce que ça a fait là, les bâtiments d'amélioration d'hôtel là? Ça compte là-dedans? Non. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû l'améliorer parce que c'est vrai que ça en garde totalement. Hein. C'est quoi du coup les bâtiments d'amélioration d'hôtel là? Les butins post-bataille, les bâtiments d'amélioration d'hôtel, bonus de recrutement de héros. Remplace ça pour les. Ouais. On arrive d'ailleurs au Risenland, enfin au Soland. Putain, il m'emmerde lui aussi, hein. Le pote elfe sylvain là. J'aime pas l'avoir dans mon cul, mais bon. On va continuer d'avancer. Absolutely not. Donc je sorte et je vais à Comperbat prochain tour. Je suis donné Grunberg. Il est où mon pote le rat? Non, je veux pas faire un œuf rapide. Non, je veux pas Azazel non plus. Yo. Je vais te calmer immédiatement, hein. Je te donne des villes, donc tu te calmes. Ah, je suis à 3080. 3080, ça commence à faire une armée sympa déjà. C'est 5009, une armée complète, ouais. On va attendre encore un tout petit peu, puis on va faire bientôt une armée de Nurgle. En vrai, on pourrait la faire. Je pense que je prendrai un canon à la place de ce truc-là, peut-être. Ouais. On pourrait la commencer. Du coup, qu'est-ce que c'est les améliorations d'hôtel là? Ah, ça aussi c'est fort, faveur générée par tous les bâtiments, plus 50%. Ah oui, ce serait quand même fort. Genre à la place de ça. Parce qu'en vrai, les gardes du chaos, bon, on n'aura pas 5000 déjà. Et en plus, bah, ça, c'est pas l'XP qui va manquer. C'est vrai que ça serait fort par contre. Plus 50% encore. Oui, ça compte pour ça aussi, ça serait. Ouais, ça serait fort quand même. Je me demande si je vais pas essayer de le faire en vrai. Hein. Je pense que je vais le faire. Hein. Et les améliorations des hôtels, peut-être que ce sont les petites villes mineures. Du coup, c'est un peu inutile, mais bon. Bon, ça c'est une forteresse sombre, c'est très très bien. Voilà, des Comberbad. Faudrait que j'aille prendre le sang, ouais. Hein. Ah, j'ai pas la range. Ah mais merde, c'était le tour d'après qu'il fallait le faire. Bon, c'est pas grave. C'est pas dramatique. Merde, je me suis trompé, je pensais qu'on avait avancé d'un tour. Bon, lui, c'est officiel qu'il a décidé d'un problème dans les dans la Norska. Il est en train de bourrer l'autre, mais... J'aime pas trop qu'il soit dans le coin, quoi. Après, ben, j'ai autre chose à foutre, là, pour le moment, donc, ouais. Vigo Daniel, est-ce que vous voulez pas retourner dans votre... bah, dans les désolations, en fait, au lieu de venir ici.
Guerre. Bonjour monsieur. Bon, il y a le Mulder sur le chemin. De toute façon, c'est pas la bretonnée qui nous fait le plus peur, hein. On va pas se mentir. La bretonnée est tellement faible. Avant de tomber en bas, du coup. Ah oui, bah c'est ça, du coup, les améliorations de l'hôtel. Effet des verrous. Ah oui. Et on peut avoir des sorciers du chaos. Revenus si tu... Ah oui. Ouais, c'est un peu nul, hein, du coup. Hein. Ouais. Ouais, bah vous, en vrai, c'est inutile hein, de les garder en effet. Clairement inutile. On va les s'occuper de Franz. Je vais ramener Festus aussi parce qu'il va y avoir une grosse bataille, je pense. Mais on va s'occuper de lui, puis après, on va bourrer les vampires. Il faut juste qu'on passe sur le Soland. Ouais, ça, on va le faire. Hein. Ça aussi, on va le faire. Ça rapporte trop de fric hein, de toute façon. Ça aussi il faudra le faire, mais il faut que ça s'améliore déjà. Du coup on va faire ce bâtiment là. Bon là ça va, j'ai pas besoin de tant de défense que ça en vrai. Bidenheim non plus, et nul, ça va je pense. On va faire juste ça. On a vraiment beaucoup d'argent là. C'est l'optimisation fiscale, les forteresses. C'est bien qu'il y en ait dans l'Empire. C'est pas peut-être pas gigalogique, mais pourquoi pas. C'est possible d'ailleurs qu'il y en ait aussi côté Sylvanie. Peut-être genre Drakenhof ou un truc comme ça. Oh, Drakenhof, c'est une. S'il y a une forteresse avec de l'or à côté. Pourquoi Null d'ailleurs sur une forteresse, mais pourquoi Middenheim, Middenland? Pourquoi Middenheim et Null? Bon, après c'est des villes importantes, mais... Ouais, pas une agression. J'espère que tu l'as fait à Null. Je veux bien que tu le fasses, mais fais-le à Null s'il te plaît. Oui, ça va, il est intelligent. Et ça me file des gardes du chaos, je crois, donc on prend clairement. On va aller aider le collègue du coup, parce que ça va barder. Bah quoique, il va venir, Franz. J'ai peur que les deux sortent, en vrai. Peut-être, ouais, mais je vais prendre des dégâts. J'aimerais bien qu'on fasse une bataille à deux, quoi. Contre tout le monde. En vrai, je vais reculer. Je vais leur laisser la chance qu'on ait une belle bataille. Oh non, tu me casses les couilles, un vigo d'agneau. Hein. Je vais pas te mentir que ton comportement commence à vraiment nous emmerder, hein. Ton comportement déplorable, faut que je lui donne comme perbade aussi. J'ai l'impression qu'il y a un petit push par là. Faut que je regarde. Bon, en espérant que le récon ne bouge pas. Saloperie. S'il vous plaît, juste qu'on ait une belle bataille. Et putain, j'ai pas reculé en campement, je vais prendre quelques dégâts, bon c'est pas grave. On a l'occasion, retourne chez toi qu'on ait un beau fight là. Une grande bataille finale contre le Reichland. Oui. Je crois qu'on va être obligé de les faire comme ça malheureusement. J'ai l'impression qu'ils ont décidé d'être cons. De toute façon ils prennent des dégâts aussi, hein. Je vais pas me casser la tête. Ça m'étonnerait que Franz vienne hein, du coup là.
Bon, peu importe qui l'attaque, c'est pas grave, de toute façon. Ils vont prendre des dégâts aussi. Je peux me mettre une petite peste, peut-être aussi. Ouais, tiens, ça peut être bien pour la reconstitution. Ah non, c'est guerre zone par bataille. J'ai tous les types d'usure. En vrai, si la chope en face, ouais, je vais me mettre la reconstitution. Je lui ai donné comme père bad. Ah bon, on a rencontré Valkyra. Hein? J'arrive plus à parler. Elle est alliée avec Malekith? Et Tyrion est sa menace principale? Mais qu'est-ce qui se passe en Agaroth? What the fuck? Ouais, Valkyra, est-ce que vous seriez intéressé pour rejoindre notre grande alliance? What the fuck? Elle s'est alliée avec Malekith? Ah bah, j'ai même pas assez. Bon, elle aime pas Sigvald, ouais, elle aime pas les mecs en dessous de Malekith. Putain, c'est super intéressant ça pour le coup. Très intéressant. Vraiment, on en découvre tous les jours. Hein. Les deux qui sont alliés, mais what the fuck. Tout va bien hein, sur ce jeu vidéo. Tout va très bien. Non mais pourquoi pas, hein. 4500, oh la vache, comment ça triche. Hein. On va bientôt sur une nouvelle arme les gars. Du coup il est où mon rat là? Bonjour monsieur. Does it have food? Give to me now. It brings meat flesh. Il y a des choses vraiment ouais. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Tiens, une menace principale, du coup, ouais. C'est intéressant. C'est très intéressant. Du coup, Nkari doit être un peu mort. J'ai l'impression que les rats progressent, hein, non? Ou que les vampires reculent peut-être, je sais pas, on va voir. Putain, mais qu'est-ce qui se passe en Agaroth quand même, hein? Ouais, ça m'intéresse pas spécialement ça. Oh, ouais, mais les légions, pourquoi pas? Bon allez, vas-y. Prendre ça. Hein, j'ai l'impression que... Ouais, je sais pas si on avance. J'ai l'impression que les vampires reculent. Oh la vache. Ah, il y a des maraudeurs de Slaanesh. Speak before my graven throne while I decide whether to take your skull. C'est un peu cher. Hmm.
Ouais, j'ai attaqué Bellacor aussi en vrai. Sans les prendre à Albion. Oula! Ah oui, mais ils sont passés par le fort, merde. Ah putain de merde. Bon, à tous les... Oh putain, même Aerith, il est passé. Ok, faut qu'on recule immédiatement. Ouh là là, si on se tape l'Empire plus la Bretonnie, mais est-ce que l'IA va y arriver? Je suis pas certain, mais bon. Bon, elle descend cette corruption de merde, ouais. Ouais, faut que je fasse un peu la loi, je crois. Ça va, j'ai une bonne garnison. J'allais prendre l'autre fort. Bon, une garde est toujours cassée. Ah ouais, bah t'es mal à guerre. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'elle ne nous est pas forcément bien non plus cette guerre. Je crois qu'on va envisager en effet de faire une armée. Hein. Du coup, bon, on va faire un signe dans du chaos classique, hein, je pense. Et j'en ferai un prince démon. Je fais une... Ah ouais, mais j'avais dit, faut... bah, je le ferai en Nurgle du coup. Je ferai une Nurgle. Je le ferai monter en Nurgle. Ah bah j'ai deux chevaliers du chaos, ça c'est cool. Faut juste qu'on passe tout ça bah, en Nurgle. Ouais, on va faire du Nurgle. Ah oui, mais ça coûte plus rien, ça. Ah si, quand même, un petit peu. Ouais, bon, on va le faire le canon. Est-ce qu'on fait un autre truc? Vu que c'est du Nurgle. Il a pas de mitrailleuse. Ça m'intéresse pas, le reste. Tir à ogre, non. Stratosphère, non. Ouais, il a pas de mitrailleuse rattling, c'est dommage. Ah, c'est vrai qu'il y a le canon à peau. Bah tiens, lui, en vrai, oui. Pourquoi pas. On va le prendre, hein. Il nous faudrait une cavalerie, puis plus de mecs, plus d'infanterie. Le reste, ça m'intéresse pas spécialement. On devrait se refaire assez vite, ça va. On va la commencer l'armée. Sans là, on va beaucoup se battre. L'effort de l'Empire, ça peut être simple. S'il les défend pas, le potra. Quoique le fort qui était cassé, ils l'ont peut-être attaqué. C'est pas impossible. Nous, on va y aller en mode provocation, hein. On va aller là pour se battre. Alors je vois plus Franz. Ah bah si, il est juste là. Il y a un peu de monde là. Il y a Luan qui traverse chez nous là, tranquille. Ah, peut-être elle a attaqué ma forteresse, mais bon, ça devrait le faire. Je vais attaquer lui déjà. On n'aura pas de belle bataille du coup, je crois. Parce qu'ils ont décidé d'être cons. Est-ce que Festus peut aller attaquer France?
Il dirait que oui, mais il va reculer, je pense. Ah non, il recule pas. Est-ce qu'on la joue pour tester les trucs là? Pour tester les nouveaux joujoux en vrai, vas-y. Ouais, je pense qu'on va gagner, hein, mais allons-y. Comme ça, on teste l'artillerie rat. L'artillerie Skaven. Puis l'oncle Furon, on l'a toujours pas vu. On va regarder à ça. Il faut qu'on élimine toutes ces racailles là de notre territoire. Festus, il avait certainement déjà eu le trait de France par contre. Je sais plus, je pense que oui. Niveau 25, ouais. Il est peut-être indémoralisable. Oui, il est indémoralisable. Il y a eu l'artillerie Skaven. On voit qu'il a sa place dans nos armées. Dans une armée pestilentielle en vrai. Ça a du sens. Ça a clairement du sens. On va juste faire une deuxième ligne, je pense. Je la redéplacerai après. Une cavalerie très puissante, évidemment. Puis ce monsieur-là. Qui va faire une belle miniature. Puis let's go. De toute façon, ils vont certainement venir. Vu ce qu'ils vont se prendre dans la gueule, ils vont certainement venir. Voilà, ça a de la démolition là. Tellement violent ces trucs là. Ok, c'est quoi qui nous tire dessus là? Ah, c'est un Héliopolis. Il se réjouit ou pas, France? Non. Ils sont en train de tirer sur Festus. En vrai, on va les casser la gueule de la réclame, hein, de la réserve. On va être accueilli par quelques flèches, visiblement. On va avancer, hein. On va avancer. On va les laisser là. Oh, Festus, par contre, il est démoniaque, ce serait bien de me le tuer quand même. Oh putain. On va immédiatement les planquer. Il est démoniaque, donc ouais, ce serait bien qu'il ne meure pas. Il
Galbardier là-bas. Reculer un peu là. Caché, ça va. Il y a front sur nous. Bonne chance pour contre les élus, hein, évidemment. Bonne chance qu'on les ait vus. Oh putain, par contre, lui. Ah! Eh merde. Mais putain, qu'est-ce qu'il a pris? Ah, c'est le canon qui nous a baisé la gueule, je crois. Pas fait attention. My bad. Fait chier. Saleté. Sur des glingues, évidemment. Attention aux Albardiers quand même. On va respecter. On va le détruire, par contre, on va faire la sorcière. Oh putain, ne me tirez pas dessus. Arrêtez d'être con. Merci. Ouais, ça va, ça reste assez précis quand même. Je crois qu'il reste que France. Il est obligé d'intervenir en plus. Il reste que France. Bon, arrêtez de tirer parce que ça va faire du TK pour rien. Bah nickel. Fait chier, j'ai perdu le monstre, c'est pas grave. Ouais, il s'est juste fait direction à mon avis par les... ces merdes là à mon avis. Il a fait des sorcières. Il a fondu le machin. Je l'ai absolument pas vu, j'ai regardé autre chose. Terribles images, c'est pas grave. C'est une unité de renom, il va revenir. Mais autre chose en attendant. Même Festus s'est fait ouvrir, mais je sais pas trop par quoi. Je pense que c'est les canons hein, qui... Ça devait être fort contre de l'anti-large. En vrai ça va, ça fait des bons dégâts, même les canons à malfoudre. Bon alors le canon malfoudre c'est plutôt contre de l'anti-large et les catapultes anti-infanterie. Pour ça que j'ai tiré sur France avec les canons. Avec oui les canons. Il était anti-large ce truc. Et bien on n'aura pas l'information. Dommage.
que je n'ai pas d'informations. Je pense que c'était en fil large. Il y a moyen. Il est en marche forcée, je crois, France, ouais. Donc oui, tout est détruit. Allez, on va prendre 2-3 déchus là, c'est temps de compléter. Moi bon, je sais pas trop ce qu'on a sur le moment. Il va peut-être aller attaquer ça. Ah oui, ça rapporte tellement de fric. Ça rapporte tellement de thunes. Oui, on a largement assez. On est vraiment large là. Il y a des zones sous trinité ou pas? On peut avoir un géant du chaos, ouais. Non, on va attendre, évidemment. Il nous faut des maraudeurs. Puis on en fera un prince démon. Quand il sera niveau 30. On va bientôt s'arrêter aussi. Je vais faire un live un peu plus court aujourd'hui. Mais là, oui, on est pris dans une sacrée guerre. Entre les Longues du Terre, le Reichland et les compagnies. Oh putain, fait chier. Il y a beaucoup de caves. Beaucoup de caves, mais ça va. Chevalier de sang, c'est solide. Pas une grosse fronte. Je vais être obligé de la faire parce qu'il y a quand même du monde derrière. Il y a des machines mortis. Et la couronne à côté donc on va faire attention. Il y a beaucoup de trucs mobiles, les Vargulfs, je crois. C'est un vargulf ce truc là. Il y a des horreurs, il y a des spectres. Il garde des tombes lourdes, normales, des squelettes. Chevalier de sang, c'est solide. On a un peu d'artillerie, on a des monstres. Ouais, ça devrait aller. Faut juste qu'on encaisse le mobile. Juste qu'on encaisse le truc mobile, donc en vrai on va peut-être jouer sur la hauteur de toute façon. Ce sont ceux qui attaquent donc Ah bah j'ai les halbardes en vrai. Ils vont peut-être essayer de flank, donc en vrai il faudrait que je mette un peu devant. Et puis lui je le mettrai dans l'autre armée d'ailleurs. J'y pense. Puis lui il prendra autre chose. Certainement un canon. S'ils veulent flanquer, ils ont qu'à venir. Je vais mettre évidemment les aspirants champions. Je vais faire une petite formation défensive. Et on va encaisser. Je vais leur placer après les monstres. En vrai, contre ma fronte, ils vont galérer en tous les cas. Là, évidemment, c'est notre arme universelle. Le chaos universel. En vrai,
Ouais, ça me fait pas trop peur. Il y a tout ce mobile qui passe à droite. Donc on va replacer nos halbardiers. Ça c'est bien côté universel d'avoir des halbardiers. Parce que les autres dieux n'en ont pas. En tout cas chez Korn et chez Nurgle, il n'y en a pas en tant qu'élu. Mais je crois qu'en tant qu'élu, il y en a un côté universel. Donc ça c'est quand même très très utile. Ah, il y en a un qui passe là-bas aussi. On va en laisser un de chaque côté du coup. Puis on va voir la cavalerie. On va jouer défensif. Ah non, c'est un terror geist. On va voir mieux que je tire sur la... sur les gardes des cryptes. On va moucher l'infanterie, il y a du monde qui passe là. On voit rien dans cette forêt de merde là. On va les accrocher hein. Attends, je vois rien du tout hein. Je vois rien du tout, il fait beaucoup trop noir. En tout cas cette là déglingue visiblement. Ok, on se fait attaquer par des loups funestes. Je sais pas si je vais gagner contre les Aragues, on avait un. Peut-être plutôt atterrir. Ouais, c'est un bon jour non hein. On va aller aider les. Ah oui, ils se prennent cher là. Oh putain. Les spectres carmin, je vois rien du tout ce qui se passe là-dedans. J'ai l'impression qu'on gagne. Il est au 48 quand même l'autre là. Je vais envoyer lancer dessus là. Chevalier de sang c'est quand même solide, ils vont y arriver en 2v1. Je vais les aider, bah ils sont défoncés là-bas. Ils se font défoncer. On pouvait s'y attendre. C'est un énorme bordel. Ah, ça peut être du bon d'épaisse là-dedans là. Ça va là-bas contre les chevaliers de sang, ouais ça va. Je crois que c'est win hein, ici, ouais. Ouais. Qui est le plus beau encore à corps, on va quand même gagner je pense. Hein. Allez, ils prennent cher quand même. Hein. Bon, le Terror Geist il va finir par y passer. Là-bas, je crois que c'est win. Presque. Là, quand je suis de balancer des sorts. Et lui on va essayer de le déboîter. On prend un peu cher. Les chevaliers de temps c'est devenu solide maintenant. Il y a de la pure déglingue là dans la mêlée. Faut pas que ça craque non plus. De la méga déglingue là. C'est un petit peu le bordel même.
Je passe. Hein. Ils ont fini là-bas. Besoin de renfort. Hein. Oh la vache, c'est un maxi bordel. C'est un peu le bordel. C'est fini. Et on va bientôt en finir avec lui. Ah, c'est chaud là. Hein. Putain, on n'arrive pas à tuer les machines mortes, il faut qu'on tue Kemler. On n'arrive pas du tout à se faire les machines mortes. Kemler absolument Nico. Putain c'est chaud quand même hein. Ah fais bien tu Kemler. Ok on a eu l'autre là. Oh, c'est le bordel, hein. Faut pas mourir, Kemler, là. Vache, il me reste rien, non. C'est la gueule à lui. Hein. Genre vraiment. Hein. Ah, on va perdre, je crois. J'ai l'impression qu'on a une DPS pour tuer. Oh non, 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 non. C'est un vrai bordel. Hein. Ah, on n'a pas le DPS pour tuer. C'est vrai que je les tue pas les machines mortis là. Ah oui, il y a ça. Ah voilà, prendre en cher. Ouais, bah il faut reculer. Perdu. Sauf si on arrive. Ouais, non, Kemler il s'est régène. Ah fuck. Faut reculer, faut reculer. De machine mortise, ça nous a foutu dans la sauce. Bon, avec de la chance, j'ai pas perdu grand chose. Mec, de la chance, fuck. Avec de la chance, ouais, j'ai perdu beaucoup de trucs quand même. Ah, les machines mortises ont fait trop de dépêche. Je pensais pas que ça faisait des dégâts autour. Ça nous a gratté trop de dégâts. Ah, merde. Ouais,
il va se régénérer cet enfoiré. Merde. Ah ça c'est très très con. Très très con ça. La première défaite du chaos universel. Aïe aïe aïe. Ah c'est les machines mortistes qui ont tout fait. Hein. Parce que sa fronte et ses trucs mobiles je les ai éclatés mais, ouais, mais putain il restait que ça. Hein. Il restait lui, les trois machines mortistes et son monstre. Peut-être quelques heures de crit mais c'est tout. Ah ça a fait trop de DPS. Qu'est-ce que j'ai perdu? J'ai perdu l'élu, un peu de guerre du chaos, de la cave, le monstre, ouais, ça va. Ça aurait pu être pire, on va pas se plaindre. C'est pas très 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 grave. Ça aurait pu être bien pire. Merde, ça m'a fait trop de DPS cette merde là, fait chier. Bon, ça tombe mal une défaite, surtout contre lui, mais ouais. Bon, espérons qu'ils attaquent pas nul. Ah, il s'est refait en entier. Hein. Saloperie. Hein. Ouais, faut que je me barre, hein, mais je sais pas où est passé l'autre là. Je sais pas où est passé fromage. Elle est très très amochée l'armée quand même. Hein. Perdu les canons aussi. Ouais, faut que je retourne chez nous. En espérant qu'il n'y ait pas fromage dans le coin. Parce que sinon là ça va être clairement la merde. Terribles images évidemment. Donc qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut deux caves. Deux caves, un canon. Et le reste c'est de la fronte et j'ai perdu un géant. Ouais, il faudrait que je retourne là-bas. Puis je prends le canon à peau, comme ça je fais pas le canon. C'est du nargueul, on a dit. Peut-être prendre le canon à peau en vrai. Hein. Il est là, autant l'utiliser. Putain, il nous a mis dans la merde, Kemler, là. Saleté, va. C'est les machines mortistes, là, qui ont fait trop d'épais. Je pensais pas que ça faisait du dégât autour en mêlée. J'aurais fallu peut-être les isoler avec la cave. Je pense, parce que là, oui, en plus, on a blobé tout autour pour essayer de mettre le maximum de dégâts, mais ouais, là, oui, ça pardonne pas. C'est pas grave, faut juste espérer qu'il n'y ait pas fromage dans le coin parce que je le vois plus. Je pense qu'il s'est fait éliminer vu qu'il y a mes alliés autour. Que je puisse revenir et réparer l'armée. Même si on repart avec des maraudeurs, c'est pas grave. Ça qui est terrible avec les gardes du chaos, c'est juste que c'est une défaite. Bah, c'est que vous repartez peut-être pas de zéro parce que l'XP monte très vite, mais bah, vous avez pu. Enfin, là j'ai perdu quelques gardes du chaos quoi, donc c'est un peu embêtant. Foutu vampire, à mon avis ouais, les machines mortis ouais, ça nous a mis mal. Il va falloir tenir. Je pense qu'il est plus là. Cœur de lion. Monsieur fromage, il doit plus être là. Mon Kemler, va falloir qu'on s'explique, hein, je pense. Ouais, bon, par contre, contre les élus, il va peut-être moins faire le malin. Par contre, là, je le respecte plus, je le fais en réseau autour. Il n'y a rien à foutre. Je le vois plus, hein, fromage. Il
temps décisif, allez, va te faire foutre. Santé, hein. C'est quoi son trait? Restant ce soir au 10%. Ouais, bon, c'est inutile. Inutile pour nous. Il n'y a pas forcément de lanceur de sort. Hein. Bon, il y a qui du coup? Bon, il n'y a plus l'autre, hein, visiblement. Ce qui nous arrange en soi. Il y a deux mecs de Nurgle, mais ça ne vous intéresse pas. On pourrait faire un échange limite. Je peux les prendre en attendant, je vais lui donner à l'autre armée. Bon, c'est pas très grave en soi. Ça va revenir le fric et tout. Enfin le fric est là, mais enfin l'armée va revenir, c'est pas très grave. On s'en sort bien quand même malgré la merde. C'est pas dramatique, on va se refaire. On va faire un dernier tour je pense, on va passer le tour puis on va s'arrêter là. Et puis la prochaine fois il faut qu'on mette les deux armées en route là. Nurgle nouvelle et puis refaire l'armée KO. De factions il reste. Bon, c'est pas une giga défaite non plus. Bon, il y a quelques troupes qui vont repartir de zéro. C'est dommage, surtout la cave, je pense. Parce que c'est surtout côté KO universel, elle est un peu plus dure à monter. Vu qu'il y a entre eux, il y a les maraudeurs, et puis après, il y a les autres là. Les maraudeurs qui sont un peu plus forts. Puis après, c'est la cavalerie du KO, donc c'est un petit peu plus embêtant. Mais c'est pas dramatique. Bon, il peut y avoir une rébellion, il y a 18 unités, oui. C'est pas grave. Bon, lui n'est pas. Ah oui, il est toujours là loin. Il est toujours là. Est-ce que je m'occupe de Louan vraiment Il est pas sur moi en soi. Hein. Ah, ils ont pris Marienburg. Chier ça. Je sais pas si je m'occupe de Louan. Je pense qu'ils vont y arriver en soi. Hein. Ils ont pas nécessairement besoin de moi, on a fait le gros du ménage déjà. Donc il me faudrait un canon. Mais je vais prendre le canon apocalypse du coup. Et il me faudrait peut-être un géant, et puis c'est bon, un géant, puis deux mecs. Ça je prends, puis ramène-moi un géant toi. Puis il me faudrait deux normales. Et dans cette armée là... Il me faudrait une cave. Pourquoi j'ai recruté ça? Ah fuck, j'ai misclic. Ah merde. Fuck. J'ai dû faire un misclic. Qu'est-ce qu'il nous faut là? Bon ça je vais le donner là-bas. Il y en a plus de Nurgle. Qui sont là. Juste une cave et après à bourrer les maraudeurs. Ou juste une cave il nous faudrait. Bon en vrai mes deux armées vont revenir. Il y a quand même du monde, bon bah, je pense pas qu'on va se faire enfoncer comme ça. Hein. Je vais retourner là-bas je pense. Hein. En vrai les vampires ils vont galérer à passer cette armée là. Elle quand même, elle rigole pas quand même. Après, on aura du chaos. Puis le vrai dernier tour, le vrai dernier passage de tour. C'est pas très grave. Hein. De toute façon, il fallait qu'on mette, on va mettre les deux armées ensemble et puis on va les remonter comme ça. C'est pas dramatique, tant qu'il y a l'armée de Festus qui est debout, ça va. L'armée de Festus, ça aurait été plus grave, là, parce qu'il y a quand même beaucoup d'élus dedans.
Il n'y a que ça d'ailleurs. Avec les unités. Ah, monsieur Skarsnik, bonjour. Oh oui, 5000, vous m'avez donné. Là. Il nous faudrait des alliés en fait. Faudrait qu'on fasse un vrai bloc maintenant, je pense. Genre Valka Maliki de Festus, ça serait stylé en vrai. Hein. Si on arrivait à avoir Valka, puis Malekith. C'est très très stylé. Donc oui, ce bien du coup on va s'arrêter là je pense. J'espère que ça vous aura plu. Puis ouais, il y avait les dons, donc on regardera la prochaine fois. On commence à avoir beaucoup là. Ah oui, j'avais déjà ça. Bah ça aussi ça peut être bien d'ailleurs. Ouais, mais on n'a pas assez d'âmes. Mais bon, ça va le faire. Ah bah tiens. Qui voilà, monsieur Archaon. Monsieur Archaon. Et je vois plus l'autre encore une fois. Bon, de toute façon, je pense pas qu'ils aient besoin de moi. Ah bah là, ça. Ça rase bien. Ça pille bien. Donc, ouais, ils ont un peu reculé les vampires. Bon, c'est bien, c'est bien. Il y a quand même du travail qui est fait. Ah bah tiens, il y a une wag ici. Il y a une rébellion de. Une rébellion de Khorne. D'accord, bah pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas une rébellion de Khorne. Bon. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Merci à vous. Et puis à la prochaine pour la suite. Puis on refera cette armée à Moshé. Et puis cette armée là. Voilà, voilà. Juste que j'attends un peu de cave et des trucs comme ça. Mais ça va le faire. Merci à vous et à la prochaine.